Coupe du Monde et aujourd'hui. Alain, vous vouliez nous dire aussi un mot des performances de l'équipe de France, non pas de football, mais de rugby. L'équipe de France de rugby qui pointe aujourd'hui à la seconde place du classement mondial, hein, derrière l'Irlande et devant la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Après, je crois, 12 victoires d'affilée, donc une équipe de France portée par ses entraîneurs Galtier et Ibanez, et qui a, semble-t-il, opéré une sorte de révolution stratégique que vous aviez appelée de vos voeux et de vos analyses. Exactement, là, je voudrais briller un peu. Je suis heureux de voir que Galtier a opéré exactement cette révolution que j'appelais de mes voeux, et qui fait qu'aujourd'hui, conformément à ce qu'est le rugby français, j'avais expliqué d'ailleurs dans cette vidéo à l'époque où le rugby français était descendu pratiquement au niveau de l'Italie, et qu'on avait une situation, je dirais, à l'anglaise, de football à l'anglaise, où on avait le top 14, c'est-à-dire le championnat national le plus riche du monde, mais qui, dont la stratégie, j'avais dit, j'avais attaqué l'héritage Blanco, j'avais dit, il faut sortir la bande à Blanco, alors quelqu'un qui connaît mieux que moi m'a dit, c'est pas Blanco, c'est Saint-André. Mais bon, après, je rentre pas trop dans les détails, mais on avait donc un championnat de rugby qui était le plus huppé du monde, mais qui consistait systématiquement, alors il paraît que c'est Saint-André qui faisait ça, à acheter les meilleurs joueurs du reste du monde, à donner très peu de temps de jeu aux joueurs français, et à jouer sur l'achat de joueurs étrangers. Et ça faisait vraiment un parallèle avec les équipes de football anglaises qui sont les meilleures au niveau des clubs, avec beaucoup d'argent et beaucoup de joueurs étrangers. Mais on constate quand même que l'équipe d'Angleterre nationale n'a rien gagné de sérieux depuis 66. Hein, voilà. Et je disais, malheureusement, la France est dans le même schéma catastrophique. C'est qu'on a une équipe nationale qui est de plus en plus déclassée, avec un championnat très riche qui fonctionne que par l'achat de joueurs étrangers prestigieux de l'hémisphère sud notamment, avec des types, alors on me disait que c'est Saint-André, je veux pas m'en mêler, qui touchaient à des commissions parce que c'est, il y avait, voilà, le rugby business s'est mis à fonctionner un peu comme le football business, hein, on voit bien qu'on est dans une phase de mondialisation du rugby, et on avait cette situation paradoxale française, catastrophique, et qui est très française d'ailleurs, c'est qu'en même temps qu'on avait une mondialisation du rugby, d'ailleurs qui se constatait dans le top 14, on avait le maintien d'une régionalité du rugby français, c'est-à-dire que le rugby français était dans la main des mecs du sud-ouest, c'est-à-dire la bande à Blanco, et ça faisait finalement un déclassement inéluctable de l'équipe de France constaté par ses performances. Elle arrivait plus qu'à battre pratiquement l'Italie, et je faisais remarquer que l'équipe de France de rugby en termes de licenciés, et normalement, quand on compte le nombre de licenciés dans un sport et le niveau économique du pays, nous devions être systématiquement dans les trois premiers mondiaux, puisque en fait, il était absolument anormal que nous soyons battus par l'Irlande, l'Écosse ou le Pays de Galles, qui ont 10 fois moins de licenciés que la France, et qui sont des petits pays, je le rappelle, hein, et que normalement, on devait rivaliser avec l'Angleterre, et peut-être avec la Nouvelle-Zélande, parce que c'est le sport national et que tout le monde en fait, mais que normalement, la place dévolue au rugby français, compte tenu de son réservoir de joueurs par le nombre de licenciés et des moyens économiques de la France pour former des joueurs, Marcoussis, etc., parce qu'il faut du pognon, c'était d'être dans le top 3 minimum. Hein. Et Galtier a opéré cette révolution, je l'ai croisé une fois et on s'est parlé 2 minutes, je vais pas dire que je lui ai transmis les idées, mais je pense que c'est un mec qui est à Paris, c'est pas un mec qui vit à Biarritz, quoi, hein, je veux dire. Et il a opéré cette révolution très rapidement, et très rapidement les résultats sont venus. Et j'avais bien dit, il faut que la révolution du rugby soit exactement copiée sur ce qui se passe en France dans le handball, où le handball intègre tous les morphotypes et tout ce que le réservoir français qui est devenu en fait un empire national, hein, c'est-à-dire qu'avant on était une nation impériale, où il n'y avait que des autochtones en France et où on regardait les citoyens de seconde zone, les indigènes de nos colonies dans la revue des deux mondes. Aujourd'hui on n'a plus d'empire, mais l'empire il est intramuros, c'est-à-dire qu'on est passé d'un empire national à une nation impériale, qui est d'ailleurs fatalement qui devrait être sur le modèle russe si elle veut fonctionner. C'est un autre sujet. Et ce qui veut dire qu'on a un réservoir de joueurs en France, et surtout j'avais constaté, parce que je suis en contact avec beaucoup de jeunesse et beaucoup de banlieues, que le rugby est devenu un sport pratiqué par les banlieues. Et il y a en banlieue, les banlieues posent des tas de problèmes, mais c'est un énorme réservoir de sportifs. On n'en est plus à l'époque où l'athlétisme français, c'était les dom-toms.
Aujourd'hui, on a les dom-toms partout à la périphérie des villes. Hein. Alors, c'est un problème d'un côté. Mais pour ce qui est du sport, on peut devenir l'Allemagne de l'Est de la grande époque. On a tout ce qu'il faut. Et je dis, on a tout ce qu'il faut pour être la meilleure équipe de handball du monde, ce qui est vrai. On a tout, d'ailleurs, tout ce qu'il faut pour devenir demain une des meilleures équipes de basket du monde. Aujourd'hui, le meilleur joueur de basket à venir du monde est un petit Français de 2m21. Et j'ai pas souhaité l'évolution du basket français. Aujourd'hui, on a plein de Français de banlieue qui ne sont pas, eux, des racailles, mais qui joue en NBA, et le destin de l'équipe de France de basket, c'est de devenir, à mon avis, sans problème, une des trois meilleures équipes de basket du monde dans toutes les compétitions. Et cette révolution qui s'est déjà opérée au handball, aussi bien d'ailleurs au handball féminin, parce que là, je fais une petite remarque, je me moque beaucoup du football féminin. Il semblerait que la limite du sport pour les femmes, c'est le football. Pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, de taille, du terrain, du fait que c'est un jeu qui se joue avec les jambes et les pieds, et qu'il faut comprendre ce que c'est que la femme au niveau morphologique, où sont les masses graisseuses, etc. Mais hier, j'ai regardé, en ce moment, il y a le championnat d'Europe de handball. Pour les gens qui me prendraient pour un misogyne, quand on regarde des handballeuses françaises jouer, face d'ailleurs à des Danoises ou des Scandinaves, ça joue très très bien, c'est très à droite. C'est très beau, c'est vraiment, elles sont vraiment au niveau, voilà. Donc le football féminin n'est pas la démonstration que les femmes sont nulles en sport, c'est pas vrai. Les femmes ont un vrai problème avec le football. À mon avis, on arrive à une limite en termes d'échelle, terrain trop grand, jeu avec les jambes, cage trop large et trop haute, etc. Il faudrait, le handball ne pose pas le même genre de problème, le terrain est beaucoup plus petit, les cages sont beaucoup plus petites, et les femmes peuvent jouer au handball très bien. Et alors là, c'est un autre sujet. Mais ce que je remarque, c'est que Galtier a opéré la révolution dans le rugby, que le handball avait déjà fait, que le basket est en train d'achever, et que dès que cette révolution a été faite, on voit bien d'ailleurs les joueurs qui ont été intégrés, la diversité d'origine des joueurs, le fait que pas mal de joueurs aujourd'hui qui jouent en équipe de France sont pas des types du Sud-Ouest, bien qu'il y ait toujours un très beau noyau du Sud-Ouest, mais des types qui viennent de la banlieue parisienne, etc. Et on a cette équipe composite avec des morphotypes très différents, des gens qui viennent de toute la France, même si c'est une France dont on n'a pas forcément rêvé à la base. Mais au moins, je dirais, l'intérêt de cette France qui pose des tas de problèmes par ailleurs, c'est que sur le plan du sport, on est censé devenir des cadors mondiaux. Et là, on est aujourd'hui, je suis d'ailleurs, quand on dit qu'on est la deuxième équipe, je me demande si on n'est pas la première, parce qu'on vient de battre quand même les champions du monde qui sont l'Afrique du Sud. Et je pense que même si on est deuxième, aujourd'hui, on est l'équipe de rugby qui fait peur absolument à tout le monde. Alors qu'avant, on était, il y a simplement quelques années, juste avant Galtier, on était l'équipe que pouvait bientôt battre l'Italie. Hein. D'ailleurs, il paraît que l'Italie, moins d'une semaine, a battu, je crois, les All Blacks. Un truc inouï. Hein, ça veut dire qu'on est dans la mondialisation du rugby et les données sont en train de changer. L'Afrique du Sud, championne du monde, a été battue par la France et la semaine d'avant, elle avait été battue par, je ne sais pas si c'est l'Irlande, je ne vais pas dire de bêtises, mais enfin voilà. La mondialisation du rugby, la France a enfin intégré les paramètres de la mondialisation. Et comme je l'avais dit, cette mondialisation, si la France l'intègre, elle a vocation à régner sur le rugby. Et Galtier l'a fait. Et je suis très content parce qu'en général, le problème de la France, c'est que on met toujours énormément de retard à l'allumage et au démarrage à cause du côté mondain des élites françaises, du côté à la fois mondain et conservateur. Il y a vraiment un problème avec la France, c'est que on a souvent un énorme potentiel et souvent des énormes pesanteurs administratives liées au copinage, etc. Et on rate, au niveau temporel. On a, à mon avis, perdu une bonne dizaine d'années à se fourvoyer avec ce top 14 qui était en fait la vitrine du mondialisme du rugby et l'équipe nationale qui restait du rugby de village. Je dis ça un peu en caricaturant. Et là, on a enfin changé la donne et on s'est enfin adapté. Et on a une équipe de France qui a intégré toutes les données, je dirais, positives de ce qu'est la France, de cette France Empire, et qui s'est hissée au niveau de ce rugby mondial. Et on est, j'ose le dire, aujourd'hui, pratiquement la meilleure équipe du monde. Et la meilleure équipe du monde parce qu'on a des excellents joueurs qui jouent dans le meilleur championnat et qui ont du temps de jeu. Et aussi parce que compte tenu du nombre de licenciés et de la diversité des morphotypes liés à la diversité ethnique de la France sportive d'aujourd'hui, on a aussi le banc le plus riche. Et ça, c'est fondamental pour une compétition longue et pour un sport hyper viril où contre l'Afrique du Sud, qui sont les plus gros cogneurs de toutes les équipes, on a eu, dès la première mi-temps, 4 joueurs qui sont sortis du jeu pour protocole commotion. Mais on a un énorme banc et c'est ce banc qui fait que dans les 10 dernières minutes, on a fait basculer le match pour ceux qui aiment le rugby et qui ont regardé. Hein. Donc la France est aujourd'hui au niveau de ce qu'elle doit être
de par ce qu'est la France, je dirais cette France empire multiethnique, et de par de ce qu'est le rugby mondialisé, et de par de ce qu'est le plus beau championnat du monde, le plus huppé, qui est le top 14 français. Et je remercie à genoux, là, mais pas pour Floyd, hein, mais je remercie à genoux, comment dirais-je, Galtier, d'incarner cette intelligence française et d'avoir montré, comme l'avait rêvé Soral, qu'en quelques années, en faisant ce qu'il faut, eh ben, la France devient, à mon avis, la meilleure nation de rugby du monde, parce que ça peut encore progresser, et là, la favorite pour la prochaine Coupe du Monde de rugby. Hein, voilà. On impressionne, on fait peur, et on est admiré par tous les aficionados du rugby du monde. On est très très loin de l'époque là, du rugby à l'anglaise joué par des Français, de l'époque de... comment il s'appelle celui qui n'a pas une tête de rugbyman du tout, là, qui est président de la Fédé d'ailleurs. Si je veux en mettre une petite pique, comment il s'appelait là, celui qui avait le long nez et les lunettes là, qui nous avait valu un mondial joué en France. La Porte. On est très très loin du contresens total du rugby à l'époque de La Porte, qui consistait à tuer le French Flair et à tuer le rugby latin. J'aime bien d'ailleurs que Galtier dit, rappelez-vous que nous sommes des latins. Et ça, c'est Galtier est vraiment un mec intelligent. Et d'ailleurs, il a la classe. J'aime beaucoup. Bon, sur ses lunettes de Raptou, on peut discuter. Mais il a vraiment, il est fin, ce mec-là. Il est fin, il est bien. Et autant La Porte nous avait fourvoyé dans un rugby stéréotypé à l'anglaise, alors que c'était pas notre jeu fondamental, ce qui nous avait valu de nous faire humilier par les Argentins deux fois dans notre propre Coupe du Monde. Hein, c'est pour ceux qui se rappellent. Et là, on a Galtier qui additionne toutes les qualités du rugby français, c'est-à-dire une grande rigueur en défense, une inventivité en attaque, et qui fait que c'est un beau rugby à la française, et qui en plus peut damner le pion à ce rugby le plus dur, qui est le rugby, on va dire, à l'anglaise, mais les Anglais ne sont pas géniaux en ce moment, mais ce rugby à l'anglaise, et encore mieux, ce rugby de l'hémisphère sud, incarné, en fait, par, peut-être pas en ce moment par l'Australie, qui a des petits problèmes, mais incarné notamment par l'Afrique du Sud. On est capable d'être aussi rigoureux et aussi dur au niveau des premières lignes et en défense, mais on a en plus ce petit French flair qui a été remis en avant, incarné par nos meilleurs trois quarts, c'est pas la peine de citer des noms, mais j'adore regarder les images en ce moment du rugby français, et on a en ce moment, je le dis, merci Galtier, le plus beau rugby du monde, et je dis ce qui est normal, parce que tous les fondamentaux sont là pour que nous ayons le plus beau rugby du monde, voilà. Et bon, le foot, je crois pas trop à la victoire de l'équipe de France de football, alors c'est très dur de gagner deux fois, hein. Je sais pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs qu'une équipe nationale ait gagné deux fois de suite la compétition mondiale, peut-être les Brésiliens il y a très longtemps. L'Italie dans les années 30. Ouais, et puis peut-être les Brésiliens dans les années 60, mais aujourd'hui, 50, ouais. Ouais, on gagne jamais deux fois de suite, hein, donc faut pas rêver. Hein. Puis en ce moment, on a quand même des problèmes. Alain, Xavier, merci pour vos analyses. On vous retrouve sur ER et dans Fait Document. Je rappelle à nos auditeurs que cette émission gratuite, cette émission de haut vol, est en partie produite grâce aux contributeurs du financement associatif d'Alain Soral et de la rédaction du site ER. Alors n'hésitez pas à participer à l'aventure à nos côtés. On se retrouve très vite. C'était Pierre Debrac pour C'est parti mon kiki. Restez en forme et à bientôt. À bientôt à tous.